Bonjour les amis. Bonjour tout le monde. Bonjour Béné. Salut Marianne. Tu vas Comment vas-tu? Très bien et toi? Oui, très très bien. Alors aujourd'hui, on est parti un nouveau mois, des nouvelles recettes. Et aujourd'hui, nous allons parler du micro-minute. Alors le micro-minute, c'est un produit qui est maintenant actuellement dans le programme du catalogue, le nouveau catalogue. Si vous ne l'avez pas encore, demandez-le nous ou bien visitez le site tupperware.be. Ou le namurois.com, bien sûr, c'est encore plus de facilité parce que là, vous avez et les promotions du mois, et le catalogue, et nos recettes, super chouette. Alors, le micro-minute, on se rappelle que c'est le cadeau que nous offrons en plus, à la gagnante du jeu concours pour une recette inédite pour le mois de mars. C'est ça. Alors, on va vous le montrer pour que vous en ayez vraiment envie. Envoyez-nous une recette, vous verrez, jeu concours, super chouette. Essayez de mettre une recette, on a des recettes sympas. On a déjà deux gagnantes, la gagnante du mois de janvier qui est déjà venue chercher sa mande au chef. Oui. Et puis, nous parlerons aussi de notre gagnante du mois de février. Et voilà, on connaît maintenant son nom, on sait qui c'est. Et puis, on en parlera tout à l'heure. Et cette gagnante-là aura gagné l'Ultra Pro de 5,7 litres. Ça, c'est pas un demi-cadeau. Hein. C'est pas un demi-cadeau, mais celui-ci non plus. Non. Ça, c'est un super cadeau parce que ça coûte quand même 139,90 €. Mais vous allez voir, c'est un produit vraiment fabuleux. Alors, Béné, c'est une casserole à pression qui va au four à micro-ondes. Tout à fait. Qui est vraiment géniale parce qu'on va retrouver le goût des plats mijotés. Alors, bon, nos grands-mères faisaient ça. Elles mijotaient. Oui. Bon, elles avaient le temps. Enfin, elles avaient le temps. Non, je ne dis pas qu'elles avaient le temps. Elles prenaient le temps. Et puis, voilà, ça mijotait sur le coin du feu, etc. Tous les plats mijotés, comme la blanquette de veau, comme les carbonates à la flamande, comme la goulache à la hongroise, et encore. Eh bien, nous, on a pris un raccourci parce qu'on a exactement le même résultat, le même goût que les plats mijotés. Mais en un temps record, puisque tous nos plats sont cuits en moins de 30 minutes. Et aujourd'hui, on voudrait reparler du couscous. Voilà, donc ce n'est pas une recette inconnue, mais c'est un mode de cuisson inconnu. Tu as déjà venue présenter le couscous, mais à la cuisson vapeur. Oui, et aujourd'hui, qui est d'ailleurs très très bon. Ah oui, c'est une recette, encore souvent. Moi je le refais quasi chaque fois une semaine. Mais ici, on va découvrir autre chose, un autre goût. Voilà, c'est totalement différent, c'est aussi bon. On peut mettre un petit peu plus que dans le micro-gourmet, parce que la capacité est un petit peu plus grande que la passoire du micro-gourmet. Donc, pour les plus gourmands ou pour les familles plus nombreuses, on va pouvoir faire des plus grandes quantités. Alors, on va parler des ingrédients peut-être d'abord. Voilà. Tu as d'abord de la viande. Pour les ingrédients, ici, j'ai pris de la viande. J'ai déjà pris l'avance, hein, Marianne, comme oui, ça. Oui, bien sûr, on prend toujours de l'avance aussi. J'ai déjà coupé ateliers. Ma viande en petits morceaux. Il me faut un blanc de poulet, deux merguez. Alors, concernant les légumes, je vais commencer par des pois chiches. Vous mettez une demi-boîte de pois chiches ou une petite boîte de pois chiches. Ensuite, on va avoir besoin d'une courgette, de deux carottes, d'un demi-poivron, d'un navet, une tomate, une demi-aubergine, un oignon. Et alors, un piment, mais c'est facultatif. Les herbes fraîches, évidemment, tous les légumes que moi je vous propose, c'est vraiment facultatif. Hein, vous mettez selon vos envies. Alors, il y a aussi du coulis de tomates pelées en dés qu'on va rajouter. On va rajouter un petit peu un tiers de boîte. Et concernant les épices, alors, on va mettre un cube de bouillon de poule toujours dégraissé. Oui. Ne jamais oublier de jamais mettre du gras dans les plats. On va avoir besoin de cumin moulu, de coriandre moulu. On va prendre du rasellanout. Donc le rasellanout, c'est la mélange de plein d'épices qui convient très très bien pour le couscous. Alors c'est vrai que je te coupe juste un tout petit peu. Le rasellanout, on dit toujours qu'il y a autant de recettes de cette épice qu'il n'y a de Marocains au Maroc. Parce que ça peut aller de 10 à 15 épices jusqu'à 50. Ouf. Mais chaque Marocain ou même Tunisien a sa propre recette. Il y a toujours ce petit quelque chose en plus. Donc au départ, ici moi j'ai choisi celui-là parce que je l'adore. Mais au départ, il y a surtout du curcuma. Le curcuma, on le rappelle, c'est la meilleure des épices qui puisse exister parce que c'est un anti-cancer, un antioxydant, etc. Donc très bon pour la santé. Il faudrait même en rajouter tous les jours dans les plats quotidiens. Il y a un petit peu de cannelle, mais vraiment légèrement. Oui. Et puis, il y a de la coriandre, il y a du cumin, il y a même un mélange de curry, parce que le curry n'est pas une épice non plus, c'est aussi un mélange d'épices, oui. Mais tout à fait différent. Donc voilà,
Je voulais juste expliquer ce qu'était Mais c'est le très bien, ras mais je ne El savais pas Hanout. cette petite anecdote à propos des recettes. Oui, C'est toujours bien de le voilà. savoir. On peut mettre aussi de la harissa Oui, facultatif. Faites harissa, ben vous attention si connaissez. vous avez des merguez qui piquent très très fort. Ne mettez pas trop de harissa, malgré que ça ne rajoute pas tellement de piquant à la recette, mais c'est plus le goût qui va être altéré si vous mettez si vous mettez de la harissa. Voilà, Ok, je pense que alors, pour les épices, j'ai rien oublié. oui, par quoi allons-nous commencer? On va ouvrir notre Oui, on va récipient. déjà Donc montrer là, comment ça s'ouvre. voilà, on pose le doigt ici en dessous, on appuie sur la petite gâchette pour pouvoir enlever la poignée. On peut même l'enlever totalement, mais bon, ici on n'a pas besoin de l'enlever, ça sera pour la remettre après. Et puis on fait pivoter simplement le récipient et on va l'ouvrir. Et là, on découvre en dessous du couvercle un joint, comme dans toutes les casseroles à pression, il y a un joint. Et il y a aussi des petites soupapes de sécurité, dont la petite soupape qui va se soulever lorsque le plat va monter en pression, la préparation va monter en pression. Et là, on a une petite soupape de sécurité, si on appuie Pour dessus, régulariser voilà, la pour pression. Oui. régulariser la pression, tout simplement. Et donc, c'est sans danger qu'on peut l'utiliser. Il faut juste faire attention à deux, trois petites choses. Maximum 800 watts. Bon, c'est déjà pas si mal. En chaleur restituée Oui. en plus. Et puis, il ne faut surtout pas, quand la pression, le temps que la pression redescende, il ne faut surtout pas le mettre en dessous de Non. l'eau froide pour faire redescendre la pression. Il faut vraiment attendre de 5 à 15 minutes. Alors, tout dépend. Ce qui est en cuisson, parce qu'on a des plats qui sont cuisinés comme le risotto, le riz au lait, en moins de 15 Oui, minutes. hein. Et donc là, la pression, ça met 5 minutes pour redescendre. Mais si on est à 30 minutes de cuisson comme ce plat-ci, eh bien, il faut attendre 10 minutes à un quart Il y a d'heure. même certains plats qui Hein? n'ont même pas le temps de monter en pression. Ça, il y a une cuisson vapeur qui se fait à l'intérieur, mais ça n'a Voilà, pas le temps de monter en voilà, pression voilà, tellement que c'est voilà, rapide. voilà. Et c'est vraiment un produit fabuleux. OK, alors, tu vas mettre ta viande? Oui, je vais commencer par mettre la viande. Je vais prendre une spatule, une cuillère à mélange si tu veux bien, ou la Spatule, spatule. cuillère à Voilà. mélange, voilà. Donc, je vais simplement déposer la viande dans le fond du Donc là, on plat. dit il y a deux merguez et un blanc de poulet. C'est ça, oui. C'est déjà copieux, hein? Voilà, c'est un plat pour quatre bons mangeurs. Je dirais même quatre adultes et deux enfants. Alors, on met les épices sur la viande, c'est Voilà, ça? on va saupoudrer les épices. Alors, je te donne une cuillère à café. Moi, je mets en général de ce mélange-ci parce que je le connais bien. Une grosse cuillère Oui. à café de. Voilà. Alors, ça, c'est le cumin. Le cumin, c'est bon aussi ça, le cumin. Oui, je le choisis en poudre. Voilà. La coriandre. La coriandre. On en met un petit peu parce que j'en ai de la fraîche aussi. 2 cubes. Voilà, donc les cubes, même s'ils sont dégraissés, il faut toujours bien les émietter, hein. Et alors, on reconnaît, parce qu'il y a certaines marques que lorsque vous avez enlevé l'emballage, vous ne savez plus savoir si ce sont des dégraissés ou pas. Eh bien, il faut savoir qu'un cube qui n'est pas dégraissé, c'est impossible de l'émietter. Voilà, tout Donc à ça. fait. C'est la différence qu'il y a. Je suppose que je me colle à l'épluchage. Avec quelle bonne idée, ça! Ah, mais d'autant plus que je suis toujours très heureuse de pouvoir utiliser notre Click Série qui a été en promotion le mois passé. On se réjouit maintenant Ah oui. de voir ce catalogue, de ce nouvel article probablement dans notre prochain catalogue. Alors, 2 carottes, je prends l'éplucheur qui permet de, tu vois, d'éplucher dans les Aller-retour. deux sens. Donc ça, c'est aller-retour, hein. C'est vraiment pratique. Et l'épluchure est très fine, hein. Voilà. Alors, on va aussi démontrer un autre appareil. Je voudrais que tu parles un petit peu de cet appareil-ci. Ah, alors ça, c'est une râpe, c'est la râpe des râpes, c'est la crème des râpes. Donc, c'est une râpe qui s'adapte sur la base de l'AdaptaChef, celui pour mouliner la viande ou pour faire les biscuits Spritz, comme on a déjà démontré, hein. Donc, c'est juste la base qui est ici. Hop, on le tourne. Voilà, qui va s'enlever. C'est identiquement la même manivelle que la manivelle de l'AdaptaChef. Elle va s'adapter sur la râpe et je viens reglisser la râpe. Je la bloque et je vais avoir le choix entre trois râpes différentes. Donc soit tout fin, tout moulu, soit en rondelles, soit râpé gros, soit râpé fin. Voilà, donc libre choix. On a quatre râpes en un et c'est un outil formidable parce que j'ai été amenée pour un banquet à râper 5 kilos de carottes.
Ah oui. Et franchement, ça m'a sauvé la vie. Hein, parce Ah que oui. faire ça à la râpe, je pense que j'aurais attrapé une tendinite d'ailleurs. Ah voilà. Voilà, donc Et on a le plat bien va bien en adapté. dessous. Oui, Oui. voilà. On le met en dessous, donc c'est pile Alors, il est poil la vrai que dimension. normalement, les légumes du couscous, on peut les découper en petits cubes, on peut les découper en tranches. Mais pour vous démontrer l'appareil, nous, on va découper tous nos légumes dans l'AdaptaChef avec la râpe qui permet de découper en tranches. Et on Voilà. va voir avec quelle Donc, je ne facilité. vais pas directement utiliser mon poussoir. Hein, Parce je qu'elles sont vais. plus longues, oui. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais, avec le second éplucheur, du côté des petites lames dentelées, je vais éplucher ma tomate pour pouvoir l'ajouter également dans la préparation. Et là, grâce à cet éplucheur, ben, je peux éplucher ma tomate comme si j'épluchais une pomme. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. La La courgette. demi-courgette. Oui, je signale que tous nos légumes ont été soigneusement Oui, on a pris les lavés devants, hein. auparavant. Hein. Voilà. J'enlève la petite mouche ici. Voilà, on peut y mettre la tomate, tout ce qui rentre dedans, vous avez vu, la belle grosse tomate. Maintenant, j'utilise le côté lisse pour éplucher un navet. En fait, on y met les légumes qu'on aime bien, les légumes du soleil, en fait. Hein. Voilà. Pourtant, le navet, c'est quelque chose de très dur, et vous voyez avec quelle facilité on peut l'éplucher. Je vais juste couper le dessus. Le couper en deux, Oh, ça va rentrer oui, dedans, tu crois? peut-être couper en deux, c'est vrai. Attends, je vais prendre le couteau à C'est dur, elle tomate. n'avait. Oui, c'est dur, mais tu vas voir comme c'est facile. Et alors, Même pas peur. je vais aussi éplucher du côté dentelé, je vais éplucher mon poivron. Mais on a assez avec la moitié du poivron. J'épluche toujours mes poivrons pour les préparations. J'adore le poivron, ce qui me dérange, c'est d'en manger toute la journée. Et donc, quand vous l'épluchez, ben, y a plus aucun danger. Et donc, voilà. Quand c'est épluché, c'est un gros poivron en plus. Hein. Mais on ne va prendre que la moitié. Voilà, je découpe ici au-dessus. J'enlève d'une seule fois tous les petits pépins, etc. C'est facile, hein? On ne salit qu'un seul appareil et tout est découpé très, très rapidement. Et ça va vite. Et Tu mets ça va plus de vite, temps hein? à éplucher les légumes que moi à les couper, Oui, t'imagines? oui, oui, oui. Voilà. OK. Après, on mettra l'oignon. Ça va toujours? Un jeu d'enfant. OK, je rajoute encore de l'oignon parce que ça, au niveau goût, ben c'est toujours très bien. Ça, c'est une bonne poêlée de légumes. Hop, attention de ne pas déborder non plus. Non. Je vais ajouter un tout petit peu de piment. J'enlève juste un peu les petites graines. Là, on va le découper en tout petits morceaux, hein. Oui, je pense qu'il n'y a pas besoin pour si peu Non. de le passer dans la râpe, hein. Puis, il vaut mieux quand même le découper tout au fin. Voilà. Un petit peu d'épices comme ça. Et alors, je rajoute aussi toujours un peu de coriandre fraîche. L'aubergine, tu la passes aussi dans... Alors, l'aubergine, c'est la seule chose qui convient pas très bien. Ou alors, il faut l'éplucher. Mais ben, l'aubergine, en général, on aime garder vraiment l'épluchure avec. Donc là, c'est une demi-aubergine. Ouais, tu vois, c'est une aubergine qui est marbrée. Bah, elle est C'est belle, ton aubergine. une autre variante. Et remarque qu'avec le couteau à tomate, comme ça on le démontre aussi, c'est vraiment parfait pour les découper en petits cubes. Regarde comme c'est facile. Hop, ça glisse tout seul. On a des couteaux extraordinaires chez Tupperware. C'est clair. On Enfin, croirait que tu coupes une motte de beurre, en oui, fait. qu'est-ce qu'on n'a pas d'extraordinaire chez Tupperware en fait, hein? Voilà. T'imagines tous les légumes qu'on a déjà mis, hein? Ça nous fait déjà une très belle casserole. Oui, faire ça à la main, ça aurait quand même pris beaucoup plus de temps. Oui, hein. Voilà, je pense même que Voilà. c'est assez. Oui, je Alors, on pense va aussi. ajouter aussi, Les pois chiches. oui, mais avant, peut-être salé et poivré. Parce qu'il faut quand même rajouter du sel, parce que c'est déjà une très, très grosse casserole. Voilà. Oui, là, on a l'impression qu'on met beaucoup, mais Oui, mais il est vraiment très très, très très fin. fin. Voilà. Alors, tu peux peut-être déjà un petit peu mélanger. On va peut-être ajouter aussi Le coulis.
tomates. Enfin, c'est des... Des tomates. Oui, des tomates. Mélange déjà un petit peu. Après, on rajoutera de l'eau. Je vais quand même mettre les pois chiches maintenant. Voilà. La différence avec la cuisson à la vapeur, c'est que on ne rajoute pas de sel à la vapeur. Hein. Ici, ils vont quand même être cuits dans leur jus, donc il va falloir rajouter du sel. Voilà. On rajoute du sel et si on voulait faire un plat pour servir avec du riz ou des pommes de terre vapeur, etc., eh bien, on ne mettrait rien de plus parce que les légumes dégorgent déjà pas mal d'eau. Oui. En plus, il y a le coulis de tomate. Mais ici, avec un couscous, on a besoin de jus. Donc, je rajoute 500 ml, c'est deux fois ce ramequin, 500 ml d'eau. J'utilise le ramequin comme doseur parce que ça me permet de le rincer aussi, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Attention, bien évidemment, de ne pas dépasser la limite non plus. Hein. Oui, donc il faut bien appuyer un petit peu hein, parce que ça va aussi se réduire. Voilà, ça va fondre hein, une fois que ça va commencer à cuire. Ouais. Le volume va diminuer. Voilà, on n'a rien oublié, hein, Béné. Bah, écoute, je ne pense pas. Non, 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 non. On peut peut-être montrer avec quelle facilité on va nettoyer notre appareil. Oui. Peut-être en le mettant encore un petit peu en dessous. Voilà. Simplement, voilà, secouer un petit peu ou avec le couteau, tiens, voilà. Et pendant ce temps-là, j'enlève simplement mon petit appareil. Je secoue un petit peu. Et voilà. Pas de perte. Voilà. Et je vais nettoyer ça. Je vais le passer sous l'eau. Et puis un petit nettoyage. Et le tour est joué. Voilà. Alors, on va la refermer. On va la fermer. Donc, j'essuie quand même bien les bords pour que la pression se fasse correctement, bien sûr. On va mettre le petit triangle vers le petit triangle. Hop, on tourne. On ferme. Il n'y a plus qu'à enfourner. Et il n'y a plus que direction micro-ondes. Donc nous, on va le mettre ici dans notre four. 30 minutes. Pendant 30 minutes. Voilà. Et pendant ces 30 minutes, on ira prendre un petit apéro. Ben oui. Peut-être juste expliquer aussi que ce que l'on va faire après... La semoule. C'est la semoule, oui. Oui. Alors ici, on va utiliser notre pichet pour la semoule. Et ben ça, c'est facile. Hein. Moi, je prends toujours de la semoule pré-cuite. Donc, c'est comme ça qu'on la trouve oui. Généralement. Et je prends toujours ce ravier ici. C'est environ 300 millilitres. Donc, je mets un ravier de semoule. Ensuite, on y ajoute au moins deux grosses cuillères à soupe d'huile. Voilà. On mélange un petit peu de sel. Oui, on peut mettre du sel aussi, bien sûr. Et je vais chercher. Alors, il y avait un ustensile que j'avais oublié. Ah ouais. Alors ça, pour le couscous, je ne peux pas m'en passer. Oui. Parce qu'en fait, tu vas déjà égrainer un petit peu le couscous. Voilà, tu mélanges bien. C'est pareil, hein, avec notre batteur, on peut aussi faire de la farine fluide. On prend de la farine, on bat la farine dans un plat et on obtient de la farine fluide. En sachant que la farine fluide coûte quand même 30% de son prix en plus, alors qu'on peut la faire très facilement. Et là, pendant que la pression va redescendre, après nos 30 minutes, on y mettra, on y ajoutera un récipient d'eau. Même quantité. Et puis on le mettra au micro-ondes pendant 2 minutes, 2 minutes 30, mais seulement à 450 watts, oui. À la moitié de la puissance du four. Vraiment pour lui donner un bon coup de chaud. Et puis, on pourra passer à table. Donc, nous, on va prendre un apéro. C'est parti. Et on se revoit dans une petite demi-heure. Voilà. Voilà, Bénédicte. On a pu prendre notre apéro à notre aise. Oui. Et le plat est sorti du four à micro-ondes. La pression est bien redescendue. Voilà. Donc, moi, je m'en assure toujours. Il vaut mieux. Voilà, oui. Et si ça fait encore un petit pchit, alors je le laisse encore un peu. Mais là, bon. J'ai entendu la semoule. Ah, voilà. Et la semoule est prête. Voilà, voilà, on peut déjà passer à table. On va égrainer maintenant. Oui. Avec notre appareil magique. Oups là. Voilà, voilà. Ah, c'est génial. Non, ça. C'est fantastique. Oui, vraiment. Je ne sais pas comment on pourrait faire, parce que d'habitude, avec une cuillère ou une fourchette, ça prend beaucoup de temps, alors que ça, ça va vraiment tout seul. Et puis, on peut ouvrir notre plat pour découvrir notre repas. Parce qu'après un bon apéro, voilà. On a faim, hein?
Oui, ça creuse, hein. Voilà, voilà. Et là, Ah, ça sent vraiment très bon, hein. ça sent bon? Ah oui. C'est vraiment dommage que la technologie n'a pas encore fait que Ah les internautes ouais. sentent. Bon, ça va sûrement arriver, Et hein. pourtant, regarde, avec les légumes coupés en tranches, c'est pas. Ça ne fait pas ragoût. Non, Absolument ça fait pas. pas ragoût, ça fait vraiment couscous, Oui, quoi. vraiment. Ok. Donc je Alors, on vais peut mettre mettre. de la semoule au milieu de l'assiette. Tu en veux un peu plus Oui, ou non, c'est bon ça comme va? ça, hein, parce que ouais, c'est déjà beaucoup, voilà. Et alors, on va mettre de la sauce, de la viande tout autour. On a toujours la petite astuce pour la présentation. On aime les belles assiettes aussi. Quoique une belle assiette marocaine ou tunisienne, ça peut être très joli, vous savez, en céramique comme ça. C'est un petit peu comme on veut. Et alors, on a besoin de tout ce jus aussi, hein, pour. Maintenant, le harissa, c'est vraiment. C'est C'est facultatif. facultatif, oui. On va mettre un petit morceau de poulet dessus quand même, hein, Oui, parce ben, il y en a, hein, du qu'il poulet, y a il y en beaucoup a, de il n'y a pas. légumes. Voilà. Voilà un petit Et alors, la petite merguez. coriandre, parfumer le plat. Pour terminer tout, Pour terminer tout, on va frotter l'assiette. on va frotter l'assiette comme des pros, hein. Hein, dis. Croyez qu'on a fait le couscous toute notre vie, dis Oui, donc. voilà. Eh bien, parfait. Voilà, c'est pas magnifique, ça dit. Et alors, ben, regarde déjà la belle assiette ici. Regarde tout ce qui reste. Donc, facilement pour quatre personnes, Oui, voire même quatre personnes pour les bons mangeurs. et deux enfants. Tout ça. Voilà. Eh bien, Béné, c'est encore une superbe recette. Ah oui, J'ai moi ça vraiment me eu plaît beaucoup de beaucoup. plaisir à Moi travailler aussi, avec toi. franchement, ça faisait longtemps et je suis contente d'être venue présenter ça. Oui, mais tu reviendras encore, Oui, hein. bien Si c'est pas ce sûr. mois-ci, tu reviendras encore Oui, le bien mois sûr, bien prochain. sûr. On a besoin aussi de tes bonnes Je vais plancher idées. sur une bonne recette. Ah, ok, ça va, Ça ça va? va nous faire plaisir. Ok, ben voilà, notre recette est terminée. Et puis on se revoit la semaine prochaine. Alors, ciao, Ciao, ciao! à la semaine À la semaine prochaine. prochaine!